Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier tout particulièrement étant donné que depuis l'ouverture de ma page Utip, vous êtes très nombreux à être passés dessus. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant à jouer le jeu et à regarder des pubs, hein, puisque pour rappel, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est une page sur laquelle vous pouvez regarder des pubs directement et donc ça me permet de gagner un petit peu d'argent. C'est genre 4 centimes par pub, un délire comme ça. Vous pouvez regarder jusqu'à 3 ou 4 pubs par jour, par personne et du coup, bah, avec les contributions de chacun. Finalement, on arrive à monter à des montants assez cool et franchement, ça fait très très plaisir. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Donc, encore une fois, merci à tous. Sachant que lorsque vous avez fini de regarder une pub, vous avez la possibilité de laisser un petit message que je peux voir. Et pour information, je regarde absolument tous les messages, même si je ne réponds pas forcément à tous. Et du coup, bah, ça fait super plaisir de voir vos messages de soutien. Et à ceux qui ne sont toujours pas au courant, vous avez le lien de la page directement dans la description de la vidéo si jamais vous voulez également soutenir la chaîne. Donc, encore une fois, vraiment. Un gros merci à vous tous, c'est ouf, je pensais pas que vous serez aussi nombreux à y aller, donc merci. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Aïeul dans laquelle on va continuer notre aventure en tant que Triceratops, c'est parti. Vu la grosseur... En tout cas, il y a un truc qui est déjà prêt en fait. Il y a déjà un bébé qui est prêt. Là. Ouais, vite, gestating. Bon, on va bouger, on va leur laisser au pire. Je sais pas ce que c'est comme. En tout cas, c'est petit parce que vu la taille des œufs. Bon, mais t'as vu la grandeur du nid? Ouais, il est juste entassé en fait, c'est juste, c'est juste la forme qui c'est fait ça. Ça, mais la taille des œufs, laisse à penser que c'est pas un gros truc. Hein. C'est méga stylé le coin. Entre la cascade. Non mais franchement entre la cascade qu'il y a juste en face. Et le. Ouais ce truc là-haut à gauche, là on va voir. Ah non. Il y a des humains dans le jeu? Non pas encore. Enfin, je crois pas. Hein. Ils ont fait une alpha test l'autre fois avec les humains et tout genre mais c'était un peu buggy. Ouais j'imagine. Je sais pas si on va pouvoir monter là par contre. Vous voulez risquer une patte cassée? Pour un bunker ou je sais pas quoi là, ça le vaut. Allez, pas de sale, Ors. ça fait pas radioactif ou un truc. Ouais, comme c'est ça, ce que j'avais tout à l'heure aussi quand je me suis approché. Ah, je sais pas si on va pouvoir monter. Ça me semblerait. Ah, il y a un truc à manger. Non, pas tous dessus. Ah, ouais, je suis quasi full de toute façon. 87%. Ça passera pas après. Hein. Ouais, d'ailleurs, je vais y aller comme ça parce que je vais être sûr de pas déraper comme un sac. J'avoue que là, ça pourrait risquer la mort. Hein. Oh pas juste une patte. Hein. Mec, si on meurt comme ça. Moi, je reste en bas, désolé. Je prends pas de risque. Je rigole. Je me pop avec mon. C'est passé. Ah, ah. Oui, c'est bon. Oh c'est passé. Par contre, pour redescendre, ça va être compliqué aussi, je pense. Non, ça va, j'ai trouvé le. Mais du coup, ça risque rien de m'approcher, hein, même si ça grésille. Bah le truc c'est que je sais pas donc je t'avoue que je suis jamais venu ici donc en vrai. C'est quoi? Vas-y passe en devant. En tout cas c'est quand on le regarde et quand on le regarde pas donc Oui bah c'est juste quand on est dans les environs. Je sais pas s'il y a un truc au-dessus en fait ou pas, ou si c'est juste quelques briques et... Ah c'est stylé en tout cas là-haut là. Ouais, moi je dis go renifler voir s'il y a de la bouffe et puis s'il y a de la bouffe mon gars ça va être le spot où si on doit déco on va déco. En vrai là-bas ça a l'air beaucoup plus safe pour redescendre. Mais quoi l'autre côté hein. Ouais. On prend les grésillements, ils vont vite être chiants par contre. Je remonte. Venez me voir. Attends, j'arrive. Venez non, me voir. Non, il va devenir pourquoi, gros. Pourquoi toutes les évolutions se passent de nuit? C'est chiant pour les vidéos, ça.
Bah tu peux attendre qu'il fasse jour. Bah oui, et si on meurt pendant la nuit, après je serais dégoûté à vie. En vrai, mettez-vous ouais, en vrai, ouais, juste à côté de moi en fait, tu sais, pour voir la différence de taille, genre. Tu sais, dans le même sens là, quelqu'un. Ouais, voilà, un délire comme ça, vas-y. Alors, attention. Oh mon dieu, la licorne. Oh, c'est stylé. Ah, j'ai pris une petite taille quand même. Hein. Et mes cornes là, oh là. Ah ouais, les cornes, elles sont trop belles. Mais oui. Les cornes, elles sont beaucoup trop belles là, comparé à vos petits trucs encore, là, vos petits cure-dents. Puis genre, moi, elles sont vraiment pointées en avant, en mode je vais dégommer un truc, tu vois. Alors que vous, elles sont un peu tordues, t'as l'impression que tu vas taper pas avec le bout pointu, tu sais. J'avoue que j'ai pas testé, moi, de faire le broadcast, ouais. Bah oui, hein. Voyons voir. Oh, il est pas mal, celui-là. C'était gros, ça. Il y a un gros truc qui a fait du bruit à gauche, surtout. Oui. Il y a un truc droit devant, surtout. Oui, il y en a un autre qui a fait un bruit de ouf, juste à notre gauche. Hein. C'était pas ce petit bruit, hein. C'était autre chose. Donc, ils sont plusieurs. Ils se ramènent. Il y a un truc, il y a un truc derrière nous. Il y a un truc derrière nous, déjà. Ah oui, je le vois. Il est petit, lui. Mais il y en avait un autre plus gros qui a fait du bruit à un moment, aussi. Hein. Ok, ouais, on est encerclé, on est encerclé. Des Rex, vas-y, viens, faut qu'on trace. Ah, il nous suit, il va vous jouer, Approche-toi, mon pote, alors là, tu vas y laisser une jambe. Derrière toi. Passez autour, hein. Il faut qu'on chope tous les angles. Il nous joue. Touché, je crois. Faut juste que chacun regarde d'un côté, en vrai, je pense. Sur toi, rock. Merde, je l'ai même pas vu. Si je le touche, par contre, lui. T'éloigne pas trop, Rock, en fait, parce qu'on est très très loin, on pourra pas te défendre. Reste vraiment autour. C'est lui qui est en sang comme ça ou c'est toi? Non, c'est toi, ça. C'est moi. Il faudrait que non, je reste. Je vais rester. Attention, Pépéro. Oh là là, c'est chaud, on va la toucher. Hein. Il en profite, cet enfoiré, là. Il en profite que j'essaie de me coucher. Faudrait qu'il ouais. Y en ait un à tour de rôle qui se couche. Là. Moi, je pisse le sang. Hein. Je pisse le sang, faudrait que je me mette au milieu. Et en plus, deux, on risque de se toucher entre nous. Ouais, voilà, là, je vais vous toucher vous, en fait. Bah, moi, je vais mourir. Hein. Touche-toi. Il est en sang aussi, mais non. Il y en a un qui est en sang sur les deux. Oh, j'ai touché lui, je pense. Ah, ah lui aussi. Je pense que j'ai touché les deux, mais. Je suis mort, j'ai touché l'autre, mais je suis mort. Pendant qu'il mange, là, va le taper. Ouais, oh, les laissez pas bouffer, hein, s'il bouffe. Aïe aïe aïe, c'est tellement compliqué en fait. Ouais, le truc, c'est ça, c'est qu'il chasse bien en fait, en vrai. Ah, c'est. Ouais, c'est super compliqué parce qu'en plus, on va se toucher entre nous et tout. Et ça, ils sont chacun d'un côté. Ça, faut pas qu'on reste pas, qu'il aurait fallu qu'on se tourne, parce qu'en fait, ils nous tournent autour, il aurait fallu qu'il y en ait un d'entre eux qui choisisse un peu cul, et puis un autre, comme ça. Mais au les moins, deux sont bien ensemble aussi en vrai. Les deux, c'est une de ouf. Hein. Ouais, bah ouais. De toute façon, à partir du moment où ils sont passés dans mon sac, j'ai le droit de continuer d'aller sur lui si je l'ai cassé un peu, non? Ah oui, c'est sûr, ah complètement. Ouais, on est d'accord. Hein. T'as le droit de les poursuivre à la vie, à la mort, c'est. Par contre, c'est peut-être de m'éloigner de toi. Les deux, regarde, en vrai, là, les deux, ils sont pas bien. Mais non, ils sont pas bien, on les a mis mal, hein. Ouais, ouais. Moi, je les ai touchés plein de fois. Je reprends le truc, si on reprend les règles, encore une fois, ils ont pas fait de tricole, ils ont attaqué tout de suite. Hein. Ah, si, ils ont fait un. Si, ils ont fait des. Non, ils ont un peu fait.
Je sais pas, parce que moi c'est nous qui l'avons fait, nous on l'a joué réglo, mais eux... Ouais, bon c'est pas grave, après en vrai... Du coup je vous laisse aller en à vrai, Titan, ça change puis, rien, ouais. Je vous laisse aller à Titan et puis j'essaye de vous... En vrai les hurlements, enfin tu vois bien qu'il va t'attaquer, genre moi je vois pas le problème là-dessus, même si c'est les règles. Ça aurait rien changé. Attends, Titan c'était vers le bas ou vers le haut du coup? C'était vers le bas, hein. Je sais plus. Non mais en vrai ça va, on s'est quand même bien défendu, c'est juste chiant que tu sois mort, mais en vrai on s'est bien défendu, ils sont pas bien du tout les deux, donc c'est quand même déjà cool. Et c'est sympa, ça fait un peu d'action. Par contre Rock, on va essayer de te faire t'allonger là, dans le coin. Ouais. Que tu te heal toi, que tu sois full. Mais je vois le parleur là. Vas-y, vas-y. On les voit très bien, donc... Ouais. Faut t'en profiter. Et par contre, comme tu l'as dit, il y avait un autre truc aussi, un peu plus petit, ça va, normalement. Et il avait l'air tout seul. Mais moi, ce qui me fait peur, encore une fois, c'est le tout premier qui a hurlé, juste avant que l'Erex arrive. Genre, il y a le tout premier... avant c'était que... à gauche, c'était très c'était pas des Rex, ça. C'était... Je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, avant qu'ils arrivent, en tout cas, il y en a un premier qui a hurlé, et qui hurlait bien plus grave qu'eux. Hein. Donc je sais pas ce que c'était, mais il vaut mieux pas qu'il arrive non plus, donc il vaudrait mieux qu'on bouge un peu, je pense, après. S'il arrive, on n'est pas bien. Pourquoi il va même pas te manger, en fait, genre? Il est peut-être... Je sais pas. Je comprends pas, t'as vu, il reste près de l'eau, là, mais il va pas manger la pépé. Ouais, il va même pas manger, genre. Et son pote, je sais pas, parce que... Mais mec, son pote, en vrai, genre, on le voit plus depuis tout à l'heure. Pourquoi il revient pas il vers lui? Mort, tu, crois, tu crois qu'il serait ça mort? Ça se trouve, il a pissé le sang, il a pas eu le temps de se soigner. Ça se trouve, il est mort de saignement. Ou alors, c'est juste que c'était super long de ce heal et il est juste allongé bien loin, il va revenir après. C'est lequel, le rouge là qui est encore. Ouais, il est sur le bord de l'eau et ah, il. Ah, mais voit attends, pas mais l'autre qui arrive. Peut-être c'est celui que j'ai vu morfler, il moi, est mort. C'est l'autre. Hein. Il vient de mourir. Il est mort lui. Ah là. Les deux sont morts. Tu vois, on leur a collé tarif. Bah, le premier en vrai, on sait pas s'il est mort, mais le deuxième en vrai, il aurait dû s'allonger pour ce heal. Pourquoi il a pas fait ? Il s'est pas allongé, il est resté debout sur le bord de l'eau. Moi aussi, j'y arrive. On est arrivé, je pense, ouais. Oh, c'est magnifique. C'est immense. Je suis vraiment pas loin, moi, je suis pas loin des sources des Hot Springs. Du coup, je suis en train de descendre la Spring River là. C'est tellement beau ici, oh là là. On a trouvé la vallée. C'est beau, mais est-ce qu'il y a de la bouffe? Ouais, c'est ce que je voulais voir aussi, parce que on va commencer à avoir faim après. Je pense qu'il y en a quand même vu le spot. J'espère. Ah bah ben moi, je vois que dalle. Ça, c'est pas bon signe. Bah de toute façon, on va faire un peu le tour, il doit y en avoir quelque part. Hein. La droite ou la gauche? J'avoue que niveau nourriture, je suis encore bien, je suis à 78%, mais bon. Et ça, bon, vivement qu'ils ajoutent les d'ailleurs bien. Quelle bière. Les Woolly Rhino là aussi, bien. Hein. Se courir vite là ouais, avec les, la charge les, et tout. Les, le mec s'écrit sur un. Les Woolly Rhino, se répéter. En vrai, attends, je vais passer à 88 là d'ici. C'est rare, mon gars. Et dis-nous volant, ce serait touchy hein, sur ce jeu-là. Ce serait de mauvaise idée. Bah c'est pas évident, je pense, à bien paramétrer surtout pour que ce soit intéressant et pas trop bien, pas trop nul. Ni trop pété, ni trop ouais, fragile, ça. Tu vois. C'est clairement, pas évident, faudrait que je pense, ouais. Dès qu'ils se posent le truc, ce soit une grosse victime, tu vois, mais qu'ils doivent se poser assez souvent. Par contre, j'espère qu'on va retrouver un peu de nourriture dans le coin. Mais c'est immense, par contre, ce lac. C'est génial. Attends, 82. Ça y est, je suis passé à 88%. Enfin, je dis, ça monte trop vite. Je suis à 241 du coup de force déjà. Ça monte vraiment trop vite, quoi. 94. MDR, il est juste là, regarde. Regarde le petit truc là qui ressemble à rien là. Regarde ce petit truc là. Regarde ce petit bruit là! Mec, t'es tellement ridicule en vrai! Mec, tu fais la peine? Tu m'étonnes! Non mais tu m'étonnes qu'il dit. Le mec tout à l'heure il dit: ah ouais, il a un tout petit estomac, ouais, bah tu m'étonnes! Il doit pas manger grand chose lui, mec! Je te mange en une bouchée quand je te gobe! Je te pile dessus, je te vois même pas! Non mais regarde! Tu fais du taekwondo le truc! Mets des coups de pied quoi!
Ouais, j'arrive même pas à le voir tellement t'es petit, je suis désolé. Hein. Tu fais la taille d'une de mes cornes hein, et t'es pas plus large, hein, je suis désolé mon pote, mais... Je suis désolé, mais voilà quoi. Il est ridicule, mec. Oh là là. Ah, je suis déjà à 89, je suis presque à 90%. Hein, je suis en train de rattraper Rock, je crois. Je vais arriver avant, à 100 avant elle. Je suis à 95. Je suis sûr que je vais arriver à 100 avant toi, je te rattrape de ouf. Hein. Enfin, je te rattrape. Ça va beaucoup plus vite du coup maintenant. Ouais. Abusé. Du coup, mes stats, ça monte bien vite aussi. Hein. Mais regarde ce petit truc là. Moi, je veux pas traîner avec ça. Vas-y, je peux pas l'écraser. J'aimerais bien l'écraser là. Tu sais, l'accident là. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Je fais pas trop le mariole. Mec, je fais un petit saut là. Sur moi-même. Par accident. Tu veux pas passer entre mes jambes là comme t'as fait avant hein. Mec, tu prends vraiment des risques. Hein. Mec, t'as vraiment confiance, hein, tu le sais ça. Oh là là. Ah, ça y est, je suis à 90. Ça, je suis à 261 de force. Oh là là. Je suis à 6 tonnes. 6 tonnes 3 quasiment. Oh là 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 là. Le bestio, quoi. J'avoue que j'ai l'impression que je grossis quand même encore à vue d'œil, non? J'ai l'impression que j'ai encore grossi par rapport à toi. Oh oui. Attends, attends, attends. C'est quoi? Un geyser? Il y a le geyser sur la map? Ouais. Trop bien. On y va? Ça m'a fait flipper le bruit d'un coup en tout mais cas. Mais moi aussi. Je te rassure, la première fois que j'en ai entendu, moi aussi, j'ai... Ouais. Ça peut nous faire des dégâts, ça, ou pas? Non. Bah, en tout cas, pas petit. Oh, bah, il y a un geyser, là. Il y a plein de geysers. Attendez, là. Ça se trouve, on est près du même. Ah, c'est là-dedans, tu les vois, il y en a trois là. Sans déconner, vous êtes là. Il y a trois geysers là, dans un petit cercle d'eau là. Faites un 2. Oh, deux. T'es à côté, t'es à droite de nous. Je l'ai fait là. Ah bah ouais, bah, vous êtes juste à côté. Mais c'est je te vois. Mais c'est toi ça. C'est toi lui. C'est toi ce petit truc, Pépé? Bah, je sais pas, je vous vois pas là. Non, c'est pas toi alors. Il a eu peur ah de non, nous. Non. Il est caché dans les fougères. Ah, vous êtes pas loin de moi, vous êtes pas loin de moi non plus. Ah, sur le coup, il y a un petit truc juste à côté, on a cru que c'était toi du coup. Ah, bah, je vois. Ah, c'est un bébé Carnot. Putain, un Carnot ça? C'est bien petit pour un Carnot ça. Ah, il vient de vous gueuler dessus là. Je sais pas, ça me paraît bien petit pour un Carnot, bonhomme. Hein. Tu verras quand tu verras. Baby Carnot. Hein. Je pense pas que ce soit un Carnot. Hein. Il est tout petit, hein. Je vais me baigner dans le geyser. Ah, dans tous les cas, je te vois là, mais je suis juste à côté, j'ai pris un Magazora. Ah mince, je veux m'envoler. Mais tu vas manger des dommages. Mais non. Oh. C'était un dilo justement. Ouais, je ouais pense. Un dilo. Donc c'est toi le petit à côté de nous. Oh, oh l'enfoiré, il veut vraiment te choper ouais au milieu de nous là. Mais bien sûr, bah oui. Il veut vraiment te choper là-dedans. Il a des bols, hein. Ouais, il va y arriver en plus. Par contre, il va prendre... Normalement, il a dû prendre un coup là en passant, non? Quoique, non, en vrai, il a l'air de... Je pense que t'as dû lui mettre... Parce que je l'ai laissé passer exprès, je me suis dit, je vais pas me retourner, comme ça, il va me traverser, je vais le taper. Ah, mais il y a un petit truc là encore aussi. En tout cas, il t'a fait saigner. Ouais, il m'a fait saigner, par contre. Mais en vrai, j'ai pris zéro dégâts, je vois même pas un peu de sang. A mon avis, il revient pas, je pense que... Ah, si, il revient. Il a vu que je t'ai mangé en plus. Ouais, mais tu prends pas grand chose par lui, je pense. Ah, on y voit rien en plus. J'ai pris du 7.5. Hein. Ah, il fait le tour. Mais il a dû me retoucher, mais je sens rien. En fait, il fait le tour, je pense, en courant et.
Ah voilà, il derrière repasse. Nous. Ouais, il fait que ça, mais vu qu'on y voit rien avec la nuit, c'est compliqué. Il est mort. Quoi? Ah, tu as touché? Il est mort. GG. LOL. En vrai, il m'a touché plusieurs fois, hein, je pense, mais j'ai zéro dégâts. Bon, ben, bon appétit. De quoi? Mais c'est pas un carnivore, lui. Bah non, je suis un Maya. Ah, je sais pas si ça me semblait. Je comprenais pas le bon appétit. C'est l'eau. Hey, je suis alors, à 94. C'est lui qui m'a tué en Galie, tu vois, par exemple. Du coup, avec la crête verte là. Je suis à 94 et je suis déjà à plus de 300. Je suis à 303 en force. Oh, ah oui, non, mais c'est. Ça monte. C'est une... je t'ai dit, hein, c'est une beast le truc une attends, fois. Attends, je suis à 7 tonnes. Je suis à 7 tonnes. C'est pour ça que je prends rien, je prends 0 dégâts là. Et le saignement, j'ai déjà perdu. Hein. Je suis mon moi je l'ai encore et je suis à 3,8 tonnes. T'as à combien de pourcents la rock? Ça va faire un moment quand même là. Ah, propre. Oh là là. Mais je pensais pas qu'il allait essayer de te manger au milieu, je me suis dit, reste tranquille, en vrai il va partir, il nous a vu, il est pas fou quoi. Ça, surtout qu'il vient de me bouffer, il vient de me bouffer en Galie, alors même s'il avait pas tant mangé que ça sur le Galie. Et le petit truc devant nous, c'est un carnivore ou pas? Parce que si c'en est un, il faudrait lui dire d'aller manger. Mais... bah surtout, bah bouger justement du spot déjà qu'il puisse aller manger si vous mangez genre. Restez pas à côté du cadavre. Alors du coup... et n'empêche... attends ouais je vais me lever aussi. N'empêche... je suis debout. N'empêche que je suis arrivé à 100% quasiment en même temps que toi au final. Donc j'ai vraiment rattrapé de ouf hein, c'est ça. Après tu vas ouais. Beaucoup plus vite. Du coup t'as combien là en stats? Dis-moi genre poids, speed et force. Alors le poids c'est 4,1 tonnes. Ok je suis au double de toi, je suis à 8,3 quoi. Le speed c'est 23,4 km/h. Ouais ça a pas trop bougé, moi je suis à 25 et quelques comme au début. Et bite force c'est pile poil 200. Ah je suis à 360 hein, quand même, je suis pas au double mais attends, je vais prendre une photo juste pour la différence de taille. Lui il prend des... mais attends mais je suis pas adulte encore. Oui on sait, on sait. Oui elle a pas encore évolué. Et vas-y évolue du coup. Mais j'avoue que je suis encore beaucoup plus grand que toi. Oh là là, c'est vrai qu'on se rend pas c'est compte. Abusé, hein. On se rend pas compte hein, que j'ai autant grossi en vrai. Mais après, t'es ouais, un peu ouais, en pente, bah ouais. T'es un peu plus basse que moi aussi, hein, là. Oui, enfin, mais même ouais, à ouais. Ça. Même avec ça, ouais. Et du coup, est-ce que t'as changé tes stats beaucoup ou pas? Mais Bite Force a diminué, je suis rendu à 160. Ah, c'est bien ça, on est d'accord. Les cornes sont monstrueuses, quand même. On est d'accord, la Bite Force avait diminué. C'est pour ça que toi, quand tu étais plus petite, t'étais pas loin de moi qui venait d'évoluer. Parce qu'en fait, ouais. on repère. Bon, la différence, c'est que tu montais à 200 tout à l'heure et que là, quand tu vas évoluer à mon niveau, tu seras à 360. Beaucoup plus tanky, je pense aussi. Hein. Oui, oui, ça par contre, ça prend énormément un poids. Toujours 4,15 tonnes. J'avais 4,1 juste avant d'évoluer. Ouais, mais peut-être y avoir des stats qu'on voit pas, c'est comme la résistance et tout ça. Non, mais je pense que c'est pas ça. C'est juste que, encore une fois, quand tu évolues, bah, je te dis, là en force, tu es descendu un peu, mais tu prends du pourcentage très rapidement. Et ça augmente énormément, je suis à 360 moi maintenant par contre, hein, donc vraiment... Mais du coup ouais c'est bien ce qu'on pensait, c'est ça, ça a diminué un peu quand on a évolué. J'avais pas checké ça tout à l'heure. Mais par contre je te vois encore comme un bébé alors que tu viens d'évoluer en adulte quoi. Mais je me gros. Vois tellement petite à côté de toi, c'est juste abusé. Et bien voilà mes chers amis, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite aventure en tant que Triceratops. On a déjà fait pas mal de choses assez cool. Après, bon, encore une fois, ça prend du temps, donc c'est vrai que pour vous, vous avez peut-être l'impression que c'était un peu court ou quoi, mais pour nous, c'est vrai qu'on a passé 2 jours assez complets dessus. Ah, vraiment, il jouait pas mal d'heures d'affilée, donc non, franchement, c'était assez cool. Mais on estime que, bah voilà, on a fait un petit peu le tour des Triceratops. Du coup, bah, prochaine vidéo, on essaiera de changer un petit peu d'espèce, comme d'habitude, et de refaire un petit tour comme ça. Donc voilà, c'était assez cool. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt.